Eh bien, bonjour à tous. Alors, dans ce nouveau chapitre, nous allons parler plus en détail de l'objet string, donc un objet que nous avons déjà abordé au chapitre précédent. Et nous allons donc voir ici donc les propriétés et surtout les méthodes de cet objet string. Alors, tout d'abord, l'objet string possède trois propriétés. Donc, la propriété length que nous avons déjà vue dans le chapitre précédent, qui nous permet de connaître la taille d'une chaîne de caractères donc stockée dans un objet. La propriété prototype qui va nous permettre d'ajouter des méthodes et des propriétés donc à notre objet fonction constructeur string. Et la propriété constructor qui va retourner la fonction qui a créé le prototype d'un objet de type string. Donc ces deux propriétés, prototype et constructor, sont des propriétés assez complexes et nous les verrons peut-être en fin de ce cours car pour le moment il est un petit peu tôt. Alors string possède également une vingtaine de méthodes. Alors nous n'allons en voir que quelques-unes parmi les plus utilisées ensemble, certainement une petite dizaine. Alors vous n'aurez aucun mal à comprendre ensuite comment fonctionnent les autres dès que vous aurez compris comment fonctionnent celles qu'on va voir ensemble. Et vous n'aurez aucun mal non plus à les trouver car vous pouvez les trouver n'importe où sur le web, donc la liste des méthodes de l'objet string. Et donc nous allons utiliser les méthodes sur des valeurs primitives. Car rappelez-vous, on peut toujours accéder aux propriétés et aux méthodes d'un objet constructeur avec les valeurs primitives. Donc on va commencer avec les deux méthodes to lowercase et to uppercase, donc sachant qu'on a déjà vu to uppercase au chapitre précédent. Donc ces deux méthodes to lowercase et to uppercase vont nous permettre respectivement de transformer une chaîne de caractères en minuscule ou en majuscule. Donc on va prendre un exemple à chaque fois pour bien illustrer le fonctionnement de chacune des méthodes. Donc on va créer une variable texte, dans laquelle on va stocker un texte par exemple. Quelque chose comme je m'appelle Pierre Giraud, hop, donc avec des minuscules et des majuscules à l'intérieur évidemment. Et donc ensuite, on va tout d'abord alerte donc notre chaîne de caractères je m'appelle Pierre Giraud, hop, notre variable donc, qui est contenue dans notre variable texte, donc cette valeur primitive je m'appelle Pierre Giraud avec la méthode to lowercase, donc qui va transformer cette chaîne de caractères en minuscule. Hop, donc tout simplement, on enregistre et on affiche pour voir si ça fonctionne. Donc vous voyez que notre chaîne de caractères est maintenant affichée en minuscule. Et ensuite, donc, deuxième exemple avec to uppercase. On n'a qu'à remplacer lower par upper, tout simplement. Et donc notre chaîne de caractères va maintenant s'afficher en majuscule, si tout fonctionne bien. Vous voyez que tout s'affiche maintenant en majuscule. Donc ça, c'était pour les deux premières méthodes de l'objet string, donc qui sont accessibles à partir de n'importe quelle valeur primitive de type string, donc qui servent respectivement à mettre une chaîne de caractères en minuscule et en majuscule, donc to lowercase et to uppercase. Ensuite, la méthode charAt, donc charAt, va retourner le caractère situé à une position donnée. Donc cette méthode va prendre un paramètre obligatoire qui va être la position dont on veut connaître donc le caractère qui lui est relié. Alors faites bien attention lorsque vous utilisez cette méthode, car le premier caractère possède toujours la position 0. Ensuite, donc tous les caractères, spéciaux ou non, et espaces comptent pour 1. Donc, par exemple ici, le caractère J va avoir la position 0, le E la position 1, l'espace la position 2, le M la position 3, l'apostrophe la position 4, le A la position 5, le premier P la position 6, etc., etc. Donc si par exemple on veut afficher le A ici, on va alerte texte point donc char at on a dit le nom de la méthode et ici on va donner la position 5 donc 0 1 2 3 4 5 et on devrait donc avoir la lettre A théoriquement si tout se passe bien. Vous voyez qu'on a bien cette lettre A. Donc ça c'était pour la méthode char at donc qui nous permet de récupérer un caractère en fonction d'une position. Donc, méthode suivante maintenant. Donc, j'enchaîne les méthodes évidemment, car ce sont des méthodes, vous voyez, qui ne sont pas très compliquées à utiliser. Elles s'utilisent comme des fonctions tout simplement. Hein. Et donc, après, vous pourrez, si vous voulez, revoir ce cours plusieurs fois afin de bien comprendre et apprendre l'utilité de chacune de ces méthodes. Pour l'instant, moi, je les enchaîne, je vous montre comment elles fonctionnent et ensuite, vous les utiliserez ou pas si vous le souhaitez. Donc, méthode suivante, les méthodes index of et last index of. Alors, la méthode index of tout d'abord va retourner la première position à laquelle un caractère donné a été retrouvé dans une chaîne, tandis que la méthode lastIndexOf va elle retourner la dernière position à laquelle un caractère donné a été retrouvé dans une chaîne.
Donc ces deux méthodes vont avoir besoin d'un paramètre, évidemment, qui va être le paramètre à rechercher. Donc, par exemple, dans Je m'appelle Pierre Giraud, il y a 3P, donc 2P ici et 1P ici. Et donc si on recherche donc, le caractère P, donc on va devoir rechercher entre apostrophe ou entre guillemets, mais avant il faut que j'écrive quand même ma méthode, ça marche mieux sinon. Donc index off, donc on recherche le caractère P et également alerte. Donc hop, on va tout simplement copier-coller avec last index off. Donc tout simplement ici on enlève le i et on rajoute last et un i majuscule. Alors faites bien attention à l'écriture, à la syntaxe d'écriture de ces méthodes. Il faut commencer donc chaque nouveau mot, donc index évidemment c'est un mot, off c'est un mot en anglais. Donc chaque nouveau mot doit commencer avec une majuscule, sauf le premier mot ici, donc index dans ce cas-là ou last ici, donc qui commence en minuscule. Faites bien attention car si vous n'écrivez pas les méthodes exactement comme ceci, elles ne fonctionneront pas tout simplement. Et donc on va observer donc la position des caractères, du premier caractère P et du dernier caractère P. Donc hop, la position du premier caractère P est la position 6. Et pour le dernier P, c'est 7. Alors pourquoi 6 et 7? Donc 6, vous avez bien compris que encore une fois, donc index off commençait à 0. Donc 0 pour le J, 1, 2, 3, 4, 5 et 6 ici. Et pourquoi 7 pour le dernier P? Tout simplement car ici, en fait, on va rechercher seulement des P minuscules. Car il faut bien savoir que index off et last index off sont sensibles à la casse. C'est-à-dire que rechercher un P minuscule ou un P majuscule n'est pas la même chose. Donc ce P là ne sera pas pris en compte car c'est un P majuscule tout simplement. Alors notez deux choses à propos de ces méthodes. La première, c'est que si un caractère n'est pas trouvé, un caractère ou une suite de caractères évidemment, ici j'aurais pu chercher par exemple parc comme ceci. Donc si un caractère ou une suite de caractères n'est pas trouvé, la méthode va envoyer la valeur moins 1, comme vous allez le voir ici, donc moins 1. Et la deuxième chose, c'est qu'on peut ajouter un deuxième paramètre à ces deux méthodes qui est facultatif. Et qui va nous permettre d'indiquer une position à partir de laquelle démarrer la recherche. Donc par exemple, si ici on veut rechercher tous les E à partir de la position 9 par exemple, donc 6, 7, 8, 9, donc à partir de là, on écrira E comme ceci, virgule, et donc 9 comme cela. Et donc évidemment, on peut faire exactement pareil pour last index of, même si c'est beaucoup moins pertinent. Puisque last index off va dans tous les cas rechercher la dernière occurrence d'un caractère ou d'une suite de caractères. Donc on enregistre et vous allez voir que hop, le premier E va être trouvé cette fois-ci en position 11, sachant qu'en vérité ici le premier E est en position donc 6, 7, on a dit 8. Donc, mais seulement le premier E trouvé ici va être celui-ci, car encore une fois on commence donc la recherche à partir du L ici, donc de la position 9. Alors, méthode suivante de l'objet string, la méthode replace, qui va nous permettre de rechercher un caractère ou une expression dans une chaîne et de le remplacer par un autre. Donc, c'est une méthode qui va être très utile et très puissante, évidemment. Alors, cette méthode va avoir besoin de deux paramètres, le caractère à remplacer et le caractère de remplacement, tout simplement. Donc, par exemple, alors, quand je dis le caractère, encore une fois, à chaque fois, c'est le caractère ou la chaîne de caractères, hein, évidemment. Par exemple, si je veux, hop, ici, donc on change le nom de la méthode tout d'abord. Donc replace. Donc si je veux remplacer le mot Pierre donc par exemple Victor, j'aurais qu'à écrire Pierre, virgule et Victor. Donc en premier le caractère à remplacer ou la chaîne de caractères à remplacer et en second le caractère ou la chaîne de caractères de remplacement. Donc qui n'ont pas forcément l'obligation d'être égaux entre eux. J'aurais pu ici mettre par exemple un nom à 23 caractères ou plusieurs mots ensemble même, ça aurait quand même marché. Vous voyez que cette fois-ci, on a « Je m'appelle Victor Giraud » car Pierre a bien été remplacé. Donc encore une fois, comme je vous dis, ici on peut mettre « A » quelque chose comme ça marchera dans tous les cas, hein. Il n'y a pas de problème. Vous voyez que ça fonctionne tout à fait. Et donc on peut remplacer notamment bah, des lettres accentuées par des lettres non accentuées, etc., etc. Et donc cette méthode peut être très utile et peut être également très puissante. Alors, méthode suivante, la méthode « Slice », donc qui va nous permettre d'extraire une partie d'une chaîne et de retourner la partie extraite comme nouvelle chaîne. Alors cette méthode a une nouvelle fois besoin de deux paramètres, la position où doit débuter l'extraction et la position de fin de l'extraction. Donc par exemple, si je veux extraire seulement le jeu ici, on va commencer l'extraction à la position 0 et on va la finir à la position 2, donc évidemment.
Donc, en général, on va placer la nouvelle chaîne de caractères d'une nouvelle variable. Donc, on va créer une variable, par exemple, variable raccourci, qu'on va donner égal à text.slice. Donc, slice à partir de 0 et jusqu'à 2, donc de la position 0 à la position 2. Et ensuite, donc, on va alerte, encore une fois, donc notre variable raccourci, comme ceci. Et vous allez voir qu'on va avoir juste le jeu. Voilà, comme ceci, tout simplement. Donc voilà pour la méthode slice, donc qui nous permet d'extraire des bouts de chaîne de caractères. Alors notez qu'en précisant des paramètres négatifs pour cette méthode, on peut commencer à compter par la fin. Donc, par exemple, moins 1 va correspondre au dernier caractère, moins 2 à l'avant-dernier, etc., etc. Alors dans ce cas, il n'y a cependant aucun moyen de récupérer seulement le dernier caractère. Donc on peut par exemple commencer à donc moins alors 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. On peut commencer à moins 13 par exemple et aller jusqu'à moins 1 comme ceci. Et dans ce cas-là, on devrait récupérer Pierre Giraud si j'ai bien compté, si je ne me suis pas trompé. Donc on a Pierre Giraud. Alors évidemment, comme je vous l'ai dit, on ne peut pas récupérer le dernier caractère, le D. Car le moins 1 en fait va s'arrêter ici. Donc pour récupérer le D, il faut juste rajouter un espace ici. C'est la seule solution simple donc, qui est à notre disposition. Et dans ce cas-là, on récupère donc Pierre Giraud entièrement, presque entièrement, car j'ai rajouté un caractère évidemment, donc il faut maintenant que je mette moins 14 ici. Et donc on a cette fois-ci bien Pierre Giraud qui a été récupéré. Donc ça c'était pour les valeurs négatives dans slice. Donc si on indique des valeurs négatives, on commence à compter par la fin, tout simplement. Et donc, dernière méthode que je voulais vous montrer, dernière méthode intéressante selon moi, la méthode trim qui va supprimer des espaces en début et en fin de chaîne. Alors cela peut être très pratique, notamment lorsqu'on veut nettoyer et mettre en forme des données qui ont été envoyées par les utilisateurs, par exemple. Alors cette méthode va s'utiliser comme ceci, donc on va prendre une variable texte, on va rajouter pas mal d'espace dans notre variable, comme ceci donc. Je m'appelle donc Pierre Giraud avec beaucoup d'espace au début et à la fin. Et donc, car on se rappelle bien que la méthode trim ne supprime les espaces qu'en début et en fin de chaîne, donc là j'allais en rajouter au milieu, mais malheureusement on ne va pas pouvoir les supprimer, à moins de la slice, de slicer notre chaîne de caractères avant. Donc d'où l'intérêt également de la méthode slice, encore une fois. Et donc, ensuite on va créer une nouvelle variable, donc text2, dans laquelle on va stocker notre texte sans les espaces en trop cette fois-ci, qu'on va donner égal donc à text.trim. Alors pas besoin de paramètres cette fois-ci. Et on va alerte. Donc par exemple, on peut alerter quelque chose de ce type-là. Avant deux points. Donc plus hop, notre variable texte, le contenu de notre variable texte. Plus donc un anti-slash n qui sert à faire un retour à la ligne. Hop, donc dans notre affichage, donc ça va nous faire un retour à notre affichage, et donc après, deux points, donc plus texte 2 cette fois-ci. Et donc cette fois-ci, on va avoir donc les deux versions avant et après d'afficher. Donc avant, vous voyez qu'on a bien les espaces ici, et on a également un espace ici qui n'est pas très visible. Et après, donc, on n'a plus d'espace. Donc, grâce à Trim, on a enlevé les espaces donc, en début et en fin de chaîne de caractères. Donc, retenez bien cet anti-slash n également, qui peut être utile de temps en temps, donc, qui sert à faire un retour à la ligne, donc, qui est un raccourci pour faire un retour à la ligne dans l'affichage donc final donc, d'un texte avec alerte. Et donc, on va finir ce petit chapitre avec d'autres méthodes qu'on ne va pas présenter, mais dont je vais vous parler rapidement, car elles sont intéressantes selon moi. Donc on en verra certaines peut-être plus tard dans des prochains chapitres. Donc parmi celles-ci, il y a la méthode value of, donc V-A-L-U-E-O-F, donc value of qui va retourner la valeur primitive d'un objet de type string. Il y a également les méthodes search et match qui vont comparer une chaîne à une certaine expression et qui vont retourner des matchs donc entre la chaîne qui est comparée et l'expression. Ou encore la méthode split qui va casser une chaîne de caractères selon un délimiteur et qui va créer un tableau donc avec les morceaux de cette chaîne. Donc on verra certainement plus tard les méthodes search, match et split donc dans les prochains chapitres. Donc voilà tout pour ces méthodes de l'objet string. Alors
Je sais que c'est allé un petit peu vite peut-être, mais encore une fois, je ne fais que vous présenter ces méthodes et je vous montre comment elles fonctionnent avec un exemple. Donc ensuite, c'est à vous de revoir ce chapitre pour véritablement apprendre chacune des méthodes et apprendre à quoi sert chacune des méthodes. Moi, je vous montre véritablement comment elles fonctionnent afin que vous puissiez les utiliser. Donc dans ce chapitre, on a vu les méthodes to lowercase et to uppercase pour mettre respectivement en minuscule et en majuscule une chaîne de caractères. On a vu char at, donc qui retourne le caractère situé à une position donnée. Index off et last index off, donc qui vont nous retourner la première position et la dernière position d'un caractère donné. Donc. Ensuite, on a vu la méthode replace, donc pour remplacer une expression par une autre. La méthode slice qui va nous permettre à extraire un bout de chaîne de caractères. La méthode trim, donc qui va supprimer des espaces en début et en fin de chaîne. Et donc les quelques autres méthodes intéressantes dont je vous ai parlé à la fin de ce chapitre rapidement. Donc value of, search, match et split. Donc c'est tout pour moi. Dans le prochain chapitre, nous verrons les méthodes, quelques méthodes intéressantes et les propriétés de l'objet number. Donc d'ici là, entraînez-vous bien et à bientôt.